Bonjour à toutes et à tous, mes amis et mes minettes. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, encore une fois, pour du Undertale. Je pense que c'est la quatrième. Oups, pardonnez, petit fail, j'ai un petit chat dans la gorge. On va donc continuer cette palpitante aventure qui est Undertale. La dernière fois, nous étions laissés dans la ville de Couve-Neige et il nous reste plus qu'à la visiter du coup. Alors, salut toi, tu désires quelque chose? Acheter. C'est vrai qu'on a 169 PO en y repensant. Plus 0 attaque, bafflé. D'accord. Il y a des abdos dessus. Ouais, bandana viril. 7 de défense. Plus 7 de défense, c'est pas mal. Soigne 11 PV x 2 bouchées. Biscuit mou, c'est pas mal. Soigne 22 PV, recette maison. Lapin à la cannelle. Non. Pas vraiment. On va plutôt prendre ça, ouais. Pour 50 PO. On va vendre. Hein? Vendre quelque chose? Tu te crois dans une brocante? Je ne sais pas comment ça marche là d'où tu viens, mais si je me mettais à dépenser de l'argent pour des brindilles ou des vieux pansements, je ferais faillite en une semaine. C'est pas faux. Parlez. Tu veux discuter? Dire bonjour. Salut, bienvenue à Couve-Neige. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu une nouvelle tête par ici. Tu viens de la capitale? Tu ne ressembles pas à un touriste. Tu es venu par tes propres moyens? Que faire ici? Tu veux savoir quoi faire à Couve-Neige? On a de quoi manger chez Grilby, de quoi lire à la bibliothèque. Si tu te fatigues, tu peux aller à l'auberge. C'est juste à côté. Ma sœur s'en occupe. Et si tu t'ennuies, tu peux aller dehors pour regarder ces squelettes faire leur cirque. Il y en a deux. Ils sont frères, je crois. Ils sont arrivés un jour et ils se sont installés. La ville est devenue bien plus animée depuis. Pas que je m'en plaigne. Histoire du village. Souviens-toi de tes cours d'histoire. Il y a longtemps, les monstres vivaient dans les ruines de la forêt. Pour faire simple, on a tous décidé de quitter les ruines pour nous diriger vers le fond des cavernes. En chemin, des gars pas frileux ont décidé qu'ils aimaient le climat et sont restés ici. Oh, et ne pense pas à essayer d'explorer les ruines. La porte est fermée depuis des années. Donc si t'es pas un fantôme ou je ne sais quoi, oublie. Vie quotidienne. La vie continue son cours. On se sent un peu à l'étroit, mais au fond, on sait tous que nous serons libres un jour, non? Du moment qu'on garde espoir, on peut serrer les dents et faire face aux mêmes problèmes. Encore et encore. C'est la vie, je me trompe? Eh bien oui. Retour. A plus. Reviens quand tu veux. Ça marche. Alors, l'objet qu'on a acheté, on va l'utiliser. Alors déjà, le bandana viril. Vous équipez du bandana viril. Ok. Et c'est quoi ça en fait? Soigne 10 PV. Il a déjà été utilisé plusieurs fois. Ça c'est quoi? Arme attaque 0, il aboie mais ne mord pas. Bah ça on peut jeter par contre. Vous débarrassez du bâton. Ah ouais, il n'y a pas une option genre pour jeter, êtes-vous sûr de vouloir jeter l'objet? Non, c'est vraiment si tu fais l'erreur. Tant pis pour toi. Utiliser la boîte? Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre La glace gentille, on va la mettre. Le pansement, je pense pas en avoir besoin pour le moment, donc voilà. Ça agit comme un under chest ou une tirelire ou tout ce que vous voulez. Oh, toi, je t'ai vu dans le coin. Maman dit que te reposer peut rétablir ta santé au-dessus de tes PV maximum. C'est quoi, des PV maximum? Bienvenue à Couve-Gite, le meilleur hôtel de Couve-Neige. Une nuit coûte 80 PO, restez. Bah ouais, ok. Voici la clé de ta chambre. Fais comme chez toi.
Oh, d'accord. Vous savez ce que ça fait de dormir à côté de véritables cheminées de train? Ça faisait une musique, mais je crois que je l'ai reconnu, peut-être. C'est lui, on dirait que tu as bien dormi. Ce qui est assez incroyable, vu que tu n'as passé que 2 minutes dans la chambre. Je te rends ton argent. Tu peux me payer si tu décides de rester cette nuit. Bienvenue à Koulouji, le meilleur hôtel de rêve. Ouais. Une nuit coûte 80 PO, restez. Voici la clé de ta chambre. Fais comme chez toi. Ah ouais, donc c'est pareil en fait. Ah, c'est la musique quand tu perds. Hein. C'est trop marrant. Ouais, la musique détermination, ouais. D'accord. Donc en fait, je peux pas vraiment payer l'hôtel, c'est un peu bizarre. Ouais, je vais pas passer les maisons comme ça, je vais vraiment tout explorer. Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville? Essayez donc les tunnels sous neige. Ils ont été efficacement disposés. Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Il est pas mignon, mon petit Canel? Les lapins sont tellement mignons. Lapin, pin, pin, pin. Ok. Des sales gosses ont embêté un monstre d'ici en décorant ses cornes semblables à des arbres. Donc, on a commencé à lui offrir des cadeaux pour la conforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre décoré. D'accord. Yo, t'es un enfant toi aussi, hein? Je le sais parce que t'as un pull rayé. Ouais, du coup lui aussi il a un pull rayé. Je me demande si ce squelette bizarre est un enfant ou un adulte. Ouais, d'accord. Cette ville n'a pas de mère. Mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. C'est ça la politique. D'accord. Chez Grilby. Ah ouais. Partout où je vais, c'est toujours les mêmes gens. Le même menu. Pitié, je veux du neuf, moi. De bons cocktails et des mecs qui ont le feu dans les yeux. Bah, un peu comme lui, là-bas. Fais gaffe où tu t'assois par ici, le mioche. Parce que je peux t'assurer que ce grand dadé va sauter sur tes genoux pour te papouiller. On est des sentinelles, mais personne ne nous respecte. J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os. On adore les os. Ok. J'ai envie de me prendre un collier à pointe pour exprimer ma personnalité. Ça envoie un message, tu vois, du genre « Mettez-moi une laisse et sortez-moi dehors, SVP. » La nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Du genre « Elle périme », des trucs comme ça. Et quand tu la manges, elle passe tout au travers de ton corps? C'est dégueu. J'aimerais bien essayer un jour. Ok, d'accord. Et ouais? Allez, on recommence? Ok. Il est en train de jouer au poker contre lui-même. On dirait bien qu'il est en train de perdre. Waouh. Eh bien... Ok, sympa. La capitale devient surpeuplée et apparemment des gens vont commencer à venir ici. Je ne veux pas que notre culture locale disparaisse, mais j'ai définitivement envie de voir des citadins passer du bitume à la neige et glisser. Ça fait un peu référence aux immigrants, ça, non? Aujourd'hui, je ne sors pas pêcher.
mais je compte bien pécho. L'humble plié de bar que je suis se sent comme un poisson de lit dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Tu saisis ? Ouais, à peu près. Ces caveaux font partie de la garde royale, une troupe d'élite menée par Undyne. Elle est rustre, bruyante et brutale envers quiconque se dresse sur sa route. Pas étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant. Les gosses rebelles, yes. S'il y a bien le genre de gosse qui n'a pas été rebelle dans le temps, c'est bien une personne comme moi. Mais bon, je faisais un peu le con aussi, hein, faut pas croire. Le jukebox ne fonctionne pas. Ah, c'est dommage, franchement. Gris-gris te servirait bien un verre d'eau, mais il y est dangereusement allergique. Ok. Bah oui, du feu... Ouais. Je peux pas passer par là, du coup. Il bloque un peu le passage. Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement, le manque de lumière, du soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. Pauvre. On sait tous que l'autre monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça ? On ne peut rien y faire. Alors à quoi bon être triste ? Ouais. T'as un bon point de vue. Dis, on joue aux monstres et aux humains ? Ok. Ah, quel beau toc-toc. Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. Pas mal, pas mal. Waouh, ça travaille dur ici. D'accord, bon, on va pas le déranger. Ding, ding. Bonjour. Pourrais-je parler à... Une petite minute. C'est un faux numéro ? Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes vraiment désolés de ce qui prend coup. Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes absolument navrés. Quel fiasco. Clic. Waouh. Ça valait le détour, hein, n'est-ce pas ? Punaise. Ce regard que tu as, c'est celui de quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés, n'est-ce pas ? Ah ouais, parce que Frisk il a un regard endormi, c'est pour ça. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait, il y a une faute sur le panneau. Hein ? Ah ouais, c'est vrai. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées. Cof, cof. Quand j'étais plus jeune, les professeurs en manque d'idées ne me donnaient des mots mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde-moi aujourd'hui. Seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'outre-monde. Ah d'accord, donc c'est toi qui faisais les mots mêlés de l'épreuve. Sûrement ça. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. La boîte aux lettres indique « Paperless ». Regardez dedans, c'est vide. Eh bien, Paperless, il n'y a pas trop demandé, hein. Dirait-on. C'est fermé. Très bien. C'est fermé de l'intérieur. Très bien. Oh. Oh. Ah oui, je reconnais ce passage-là. Coucou, papa Les. Humain. Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais n'aie crainte, ta solitude va enfin prendre fin.
Moi, le grand-papa, je vais devenir ton... Mon... Non. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer. Pour enfin accomplir ce que j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est Papa Les. Le tout nouveau membre de la garde royale. Ok, c'est parti. Oh. Bon, je jouais qu'à une seule main. C'est pas évident. Ah, ça re... ah ouais. C'est bizarre que ça, la musique elle change pas bien. Bon, c'est pas grave. Papa le examiné. Attaque 20 dé... Ouh, il aime bien faire nié. Nié. Ok. Ah oui, mais le début, c'est vrai que c'est facile. Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool. Bah on va flirter avec. Comment? Du flirt? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments? Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis. Je n'ai pas la moindre qualité. Bah attendez, qui ne sait pas faire des spaghettis? Oh non! Ça convient à tous mes principes. Ça veut dire qu'on va avoir notre premier rencard. Plus tard le rencard, une fois que je t'aurai capturé. C'est nawak, sérieux. Ah tiens, en fait, ouais, c'est vrai, la nuit à l'auberge m'a donné 2 PV de plus. Papa lui se demande quoi porter pour son rencard. Bah, flirter. Oh non. Plus tard le rencard, une fois que je t'aurai capturé. Enfin ouais, si t'y arrives. Mais à mon avis, je pense que ça va être plutôt compliqué comme combat. Vous flirtez, enfin. On dirait qu'aucune action ne fera avancer les choses. Plus tard le rencard, une fois que je t'aurai capturé. Papyrus se met un peu d'eau de colonne derrière l'oreille. Ah, j'ai pas l'impression que ça fasse avancer les choses, ouais. Donc faut faire quoi? Faut l'attaquer? Tu t'obstines à ne pas te battre. Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. Non. On bat les steaks, tu m'auras pas, moi aussi. Et je suis bleu. Eh merde, j'avais oublié qu'il y avait un. Tu as le blues désormais. Voilà mon attaque. Waouh, et là ça devient stylé par contre. Avec la basse derrière. Ouais, ça va être cool. Examiner. Ah oui. Ouais, c'est vrai, ça a pas changé. Alors là par contre ça va être marrant. What? Mais attends, mais saute. Mais un Papyrus se met un peu de poudre d'anime MTT derrière l'oreille. What? Mais tâtonne, tu veux dire? Flirter. Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Plus tard le rencard. Ah oui, non, c'est la touche du haut, d'accord. J'ai cru que c'était une touche de la manette. Épargné. Quoi? Je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Eh, c'est bon, là on est chaud, hein. On est prêt pour Sans. Papa le se met un peu de gelée d'attirance MTT derrière l'oreille. C'est ça, ne m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale. Bah, ça vaut rien ce que tu fais là.
Papa laisse, se met un peu de yaourt de beauté derrière l'oreille. Il se met tout dans l'oreille, c'est cool, c'est bien. Je peux déjà sentir le parfum du succès. Je pense pas. Hop, oh, l'enflure. Papa le se rend compte qu'il n'a pas d'oreille. Ah bah oui, c'est... Je suis con. C'est vrai, il a pas d'oreille. Papa le chef de la garde royale. Là par contre, ça devient un peu plus... Non, ça va. Ça passe crème, en fait. Papa le fait cliqueter ses os. Bon bah ok. Papa le spaghetteur de l'exprême. Oula. Merde. Bon, en fait, je crois pas qu'on est prêt pour Sense. Papa le prépare une attaque d'os. Ça, on le saura. Undyne sera vraiment fier de moi. Essaye d'abord de me capturer. Non. Voilà. Restons sur nos gardes. Rappelleuse, prépare une attaque d'os. Le roi taillera une haie à l'effigie de mon sourire. Ah non, ça c'est vicieux par contre. Ouais. Mon frère, eh bien, il ne changera pas beaucoup. Mon dieu. Rappelleuse murmure. Nyeh! Nombreux seront les mes admirateurs, mais oh, et le mec. Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool. M'apprécieront-ils aussi sincèrement que toi? Ah ça, demande à mes minous, hein. Ils te répondront sûrement. Ah non, non. Pas de ça avec moi. Yeah. Les gens comme toi se font rares. Oula, c'était chaud quand même. Papyrus évalue la situation. Et avoir un hangar risque d'être difficile. Ça passe ses crèmes. Après ta capture et ton emprisonnement. Mais le truc, c'est que c'est par texte en plus. Ça sent les os. Ah, on s'en fiche, abandonne. Mais non. Ça commence à sentir le roussi, hein. Je vais me soigner un petit peu quand même. Hein? À cidre. Qu'est-ce que c'est? Bah, je vais manger l'endonote. Vous récupérez 12 PV. Abandonne ou fais face à mon attaque spéciale. Je pense que je vais me faire rect. Papyrus prépare une attaque d'os. Ouais, je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale. Mais arrête de parler! Agis! Je vais pas tenir très longtemps, moi. Ok. Encore un peu, j'utilise mon attaque spéciale. Il va me pousser à bout. Hein. Ceci est ta dernière chance avant mon attaque spéciale. Genre, admire, voilà mon attaque spéciale. Mais mince, à la fin, c'est mon attaque spéciale. Hé, crétin de chien, tu m'entends? Mâchouille, arrête de mâchouiller cet os. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Alors. Ouais. Bon. Tant pis, je me contenterai d'une attaque normale, très cool.
Je crois que je vais morfler. Soupir. Voilà une attaque parfaitement normale. Ouais, mon œil. Mon œil, ouais. Ça, normal. Attends, c'est pas fini. Ouais, je m'en doutais. Hey, cool dude! Prends pas les steaks! Ou les skates! What? LOL? Ok. C'est quoi le délire là? Il va se passer un truc. Eh bien, ouf! Il semble clair que tu ne me... Pouf! Battras pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes. En conséquence, le grand Papaylus va se montrer magnanime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Ouais, on va l'épargner. Ouais. Nyon, je ne peux même pas arrêter un être aussi faible. Ça va tellement décevoir Undyne. Je ne rejoindrai jamais la garde royale et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Qui est-ce qui choisirait la deuxième réponse, sérieux? Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Waouh! On n'a pas eu notre premier encart? Que je suis déjà dans la friend zone? Oh non, sérieusement. T'y crois, toi? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et de les combattre. Non, pas du tout. T'y es pas. Tu m'as tant appris, humain. Je t'octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le sceau magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si on a une âme assez puissante. Comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien... C'est un gros nounours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que tu... Que tout ce que tu as à dire, c'est... Pardonnez-moi, monsieur des murs. Je peux rentrer chez moi. Et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux pour notre rencard. ouais. What is L? D'accord. Très bien. Merci de ne pas entrer dans cette cabane mystérieuse. Ah ouais, donc d'accord, il était là. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener dans un endroit très spécial, alors... un endroit où j'aime passer du temps. Ouais. Ma maison. Ok, alors... on va se quitter sur cet épisode, parce que ça fera quand même un peu long. Je me souviens que l'histoire du rencard, ça a duré un petit moment. Donc vu que l'épisode dure assez longtemps déjà, on va sauvegarder. Et on va prendre fin à cet épisode de suite. Donc j'espère que l'épisode... en lui-même vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, surtout à commenter hein, pour participer en commentaire, et le plus important, à partager la vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo sur notre petit Let's Play Undertale
français. Et encore une fois, en dernier, je remercie encore et encore une fois l'équipe FR d'Undertale pour ce merveilleux patch. Pour le moment, je ne m'en plains pas. Donc voilà. Ciao mes minous.